שרים יאלו זור והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו הם צדיקים. On va parler un peu du shalom. Mais pas le shalom que nous on croit. Le shalom que Rabbeinu il définit. C'est quoi le shalom? Quelqu'un peut me dire c'est quoi le shalom? La paix. C'est quoi la paix? C'est assembler deux opposés. Deux opposés. Maintenant, plus les opposés sont encore plus opposés, plus le shalom est plus grand. D'accord? Si je prends, on va dire, deux livres, et je les mets en un. C'est bien. Mais maintenant, si je prends de l'eau et du feu, et je les rends un, là c'est spécial. D'accord ? Donc déjà, de définir la paix, on va prendre un petit exemple dans la Torah. La paix est simplement là où c'est écrit. Il y a deux fois où c'est écrit dans la Torah, la paix. La première fois, c'est dans Mishpatim. Dans Mishpatim, il y a une halakha que si tu as quelqu'un que tu... c'est ton ennemi, ou qui t'aime pas, c'est une mitzvah d'Afka d'y aller l'aider si tu vois que l'autoucha l'italem, nous dit la loi. Ça veut dire quoi l'autoucha l'italem? Si sur son chameau ou sur son âne il y a de la scroura, de la charge, et que tu vois que sa charge elle tombe, alors c'est une mitzvah d'y aller chez lui, d'Afka, ton ennemi, et d'y aller l'aider lui. Pourquoi? Parce que grâce à ça tu vas faire la paix avec lui, et lui il va voir comme quoi tout est normal. La deuxième fois où c'est écrit, c'est dans Sota. D'accord? Une femme, un homme qui croit que sa femme, Chas v'Shalom, elle peut-être lui a trompé. Alors là, la Torah nous dit de faire une cérémonie qui est spéciale. Et une des cérémonies, c'est quoi? C'est de prendre le nom de Dieu, c'est-à-dire d'écrire toute la paracha de la Sota, et de la mettre dans de l'eau qui a été sanctifiée par le Kohen Gadol, d'attendre que toutes les lettres y se... Décompose. Il s'efface, il se décompose. Et au moment où il se décompose, la femme elle doit boire, le Kohen il doit boire, et le mari doit boire. Et grâce à ça, il se fait quelque chose. La Torah nous dit comment ça se fait qu'on peut effacer le nom de Dieu. Comment on efface le nom de Dieu? Yud Kevavke. Ne croyez pas que c'est simple. Hein, il y a écrit comme ça que s'il y a écrit dans un parchemin le nom Yud Kevavke, dans un parchemin, et que ce parchemin il tombe par terre, il y a des poskim qui disent qu'il faut jeûner. C'est exactement comme les tefillines. Si dans les tefillines, il y a des niveaux où il faut peut-être jeûner, donc le parchemin, c'est pareil, c'est encore plus. C'est encore plus. Quand tu écris le nom Yud Kevav qui est sur le parchemin, c'est très, très... Il n'y a pas plus grave quand il tombe par terre. Et là, qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Il prend le Yud Kevav qui, et pas qu'une seule fois, c'est écrit plusieurs fois dans la paracha de la Sota. Il prend et il le met dans de l'eau et il l'efface. On n'a pas le droit d'effacer. On n'a pas le droit d'effacer, c'est un lave, mamache. C'est quel nom qu'il écrit? Il y a plusieurs noms, il n'y a pas qu'une seule phrase, c'est toute la paracha de la Sota. Toute la paracha de la Sota, il doit l'écrire, et il le met dans l'eau. C'est marqué comme si il y a un enfant qui vient sur un loir, sur un tableau, et quand ça arrive, il écrit tout ce qu'il a marqué, ça y est, on peut plus l'effacer. On peut plus effacer, on n'a pas le droit d'effacer. Le tableau, il a... On peut plus effacer, ce qu'il faut faire, c'est d'agrandir les petits « et » de les rendre couf. Et là, tu peux effacer. T'as compris? Sinon quoi? Tu vas rester comme ça tout le temps? Ah, les enfants, aucun tableau de l'école sont utilisés. Je sais pas. Tu m'avais raconté une alarme comme ça au Mandak, son chien. Ouais, de quoi? Si jamais dans le Sfatoran, on trouve un bouquin, et c'est Yud Kevavke, où il y a des photos, donc comment on le répare? Il n'y a rien à faire avec. C'est problématique, ma mâche. Le quoi, si c'est Yud Kevavke qui est endommagé dans le même endroit? Non, c'est dans le Yud, il y a un tag. Donc, et le tag, ça s'affecte si c'est un lamed ou bien si c'est un E. Donc, mais ça fait qu'on ne sait plus quoi faire. On ne peut rien faire du tout. On est obligé de connaître toute la Yéria. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu sais ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on les met ça dans des mechon. C'est dans des endroits là où on apprend à écrire. Ouais. Pour qu'ils les sofrim, ils puissent apprendre dessus comment écrire. J'ai pas compris. Ça veut dire qu'il y a les sofrim qui apprennent à écrire et qui doivent voir
Ouais, et qui doivent voir les hiriyot du Sefer Torah, comment c'est quoi Parashat Ptoucha, c'est quoi Parashat Stouma, c'est quoi Ktiv Chaser Malé, toutes ces choses comme ça, comment il faut écrire en haut, en bas. Alors ils apportent des Sefer Torah pour les étudiants. Ça devient un Sefer Torah pour les étudiants. Ah. Parce qu'il y a écrit... parce qu'il y a une halakha qu'un Sefer Torah que tu as lu dedans, et qu'après il a été pasoul, c'est un bizayon pour lui de le mettre dans la Gnisa. Donc si tu peux essayer de trouver un autre quelque chose, alors tu le prends. Alors c'est pour ça, si tu imatamit la medanze, si tu apprends dessus, c'est aussi un srout. Ouais. Donc ça descend pas de la Gnisa, t'as compris. D'ailleurs, c'est un grand problème, imagine-toi. Donc qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui nous dit la Torah? La Torah nous dit, ouais, tout simplement, le Kohen Gadol, il fait rentrer ça dans l'eau et il efface. Mais attends, mais où on est là? Eh bien là, qu'est-ce qu'elle dit là, le Midrash? C'est un Midrash qui est très connu. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom pour la Kedei la Shkin Shalom Ben Ish Lishto. Il est prêt à effacer son nom pour qu'il y ait de la paix entre un homme et une femme. Comme cet homme-là, il a été rochette, comme on dit. Il a suspecté sa femme de peut-être faire quelque chose de pas bien. Alors il y a une dispute. Il y a une sina, il y a une kina, il y a une taharout. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, si vous avez fait ça, si cette femme-là, elle meurt, ça veut dire qu'elle a fait. Sinon, ça devient comme un petit bébé. Et ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a été prêt à y aller tellement loin. Parce que vous savez, nous, on croit qu'Akadosh Baruch Hu, il a toutes les forces, il fait ce qu'il veut. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a toutes les forces, il fait ce qu'il veut. Mais après qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis le mode d'emploi de ce monde, il peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hachem, il est d'après la Torah. Il est prisonnier de ses lois. Bien sûr. Et c'est ça sa volonté de Dieu. C'est ça sa volonté de Dieu. C'est de lui-même d'accomplir la Torah. Donc si Akadosh Baruch Hu, il dit non, et bien là, la paix, elle est tellement grande qu'il est pris à Akadosh Baruch Hu à effacer son nom pour qu'il y ait de la paix. Donc on voit la grandeur de Moussag du Shalom. Le Shalom, c'est en vérité un chidour. C'est comment on dit un chidour? C'est comme une union spéciale. Si tu prends deux choses qui sont complètement inversées et tu les ramènes ensemble. Essayez un peu de penser à ça. C'est quelque chose d'exceptionnel. De réunir deux choses. De réunir trois choses. C'est quoi la chose la plus grande que Rabbeinu nous parle? La chose la plus grande au monde. C'est le kibbutz. C'est quoi le kibbutz? La réunion. Un, il vient d'ici, un, il vient de là-bas, un, il vient d'ici, un, il vient de là-bas. Et tous, ils se réunissent, et tous, ils ont une seule chose dans leur cœur. De se réunir pour être unis. Rabbeinu, il parle de ça avec les batim. Qu'est-ce que ça crée, tous les batim? Toutes les choses. Des milliers, des milliers, des milliards de mondes dans le ciel. Juste le fait qu'il y a plusieurs personnes qui se réunissent et qu'ils ont la même idée, la même pensée, le même tahlit, le même but. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ça s'appelle le shalom. C'est la paix. La Mishnah et le chasse. Comment il se termine? Lo matza kadosh baruch hu kli marzik bracha l'Israël. Et là, shalom. Akadosh baruch hu n'a pas trouvé aucun récipient. Aucun récipient. Là où dedans il y a de la bracha pour tout le peuple juif, qu'une seule chose. C'est quoi le récipient le plus grand au monde que c'est de là on va recevoir de la bracha? Et la shalom. C'est quand on est en paix. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Adonai oz la moïten, Adonai evarech et amo bashalom. Akadosh Baruch Hu a vu que le peuple juif est fort. Il a dit, si le peuple juif est fort, je vais vous bénir d'une seule chose. Si vous allez être béni de ça, vous avez tout. C'est quoi? Le shalom, la paix. Donc là, ça, on a parlé donc de deux sortes de shalom, des shalom qui sont un petit peu, ça veut dire qu'on trouve tous les jours, entre un homme et une femme, et entre deux amis, deux personnes que des fois ils se haïssent, et l'histoire c'est de faire le shalom. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen, c'était deux les plus grands tzadikim de leur génération. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, quand il est parti de ce monde, Moshe Rabbeinu, il y a écrit que Yoshua Binoun a demandé au peuple juif d'attendre 30 jours, parce que c'est pas kavod de Moshe Rabbeinu, pour Moshe Rabbeinu, après qu'il est parti, il faut être en deuil 30 jours.
Et quand Aaron Cohen est parti de ce monde, qu'est-ce qu'il a écrit, mes amis? Il a écrit que c'est le peuple juif lui-même qui l'a dit, on va ici rester 30 jours. Quand Moshe Rabbeinu est parti, c'était Yoshua Binoun qui devait le partir. Et là, c'était Aaron Cohen. Pourquoi? Parce que Aaron Ohev Shalom, Verodev Shalom. C'est écrit Kol Israël aussi pour Aaron. Pour Moshe, c'est pas écrit Kol Israël. Exact. Et pourquoi? Parce que Aaron Cohen, c'était lui en vérité qui réunissait le peuple juif. Moshe Rabbeinu, il pouvait parler jusqu'à demain matin. Il pouvait parler. Il y avait tout le Erev Rav. Il y avait 80% de Erev Rav. Imaginez 80% d'Erev Rav. Quand il y a 80% d'Erev Rav, ça veut dire 100%. Parce que les 80%, ils engloutissent les 20%. Tu crois qu'il y avait 20% qui étaient tous des guerriers? Le peuple juif, c'était pas tous des guerriers. Ils étaient déjà engloutis par l'Égypte. Mais parce qu'il y avait Aaron, c'était le bon ami. Il venait, comment ça va? Je peux t'aider? Il y a quelque chose? Il te manque quelque chose? Quand il voyait qu'il y a un, il était contre l'autre, il essayait tout de suite d'essayer d'arranger l'histoire. Et ainsi de suite, il essayait de faire le shalom. Qu'il y a le shalom. Grâce à ça, Aaron Cohen, il a eu le mérite d'être le Cohen Tzedek. D'être le Cohen toute sa vie, pendant toutes les générations, jusqu'à la venue du Mashiach. Il y a écrit que la seule raison pour laquelle Aaron Cohen, Dieu lui a donné cette gloire d'être Cohen, vous savez c'est pourquoi? C'est que quand Moshe Rabbeinu, il a dit à Aaron Cohen, tu sais Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il m'a désiré comme moi le tzadik le plus grand au monde. Il n'a pas été mécanique. Mais pire que ça, il a couru, il a embrassé, il était hyper content. Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, je vais m'occuper de toi. C'est lié au Intova. À Intova. Maintenant, on va un petit peu parler du shalom de Rabbeinu. Rabbeinu, il dit que dans une Torah, dans la Torah Yud Gimel, ou Rav Gimel, je me rappelle plus, une des plus grandes guerres qu'il y a dans le monde, mes amis, c'est entre le corps et l'âme. Le corps et l'âme, ce sont deux opposés complètement. Un c'est du feu, un c'est de l'eau. Et encore plus pire que ça. Il n'y a pas plus opposé que le corps et l'âme. Le corps, c'est la aviut, la plus grande, comment on avait dit la aviut? Grossièreté. La grossièreté la plus grande qui puisse exister. Et la neshama, c'est la plus raffinée, la plus noble, la plus spirituelle qui puisse exister au monde. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a pris les deux et les a mis en une seule fois. Maintenant, le problème, ça c'est très bien. Mais le problème, tu sais, c'est quoi le problème? C'est quand moi je veux des ta'avot. Quand je veux des ta'avot, là, il se passe quelque chose de très fort dans mon corps. Si on aurait des rayons X ou je sais pas quoi, on aurait vu une guerre, mais exceptionnelle. Exceptionnelle. Comme quoi le corps et l'âme, il veut pas. Et il supplie l'autre il lui supplie. Et il les essaye. Exceptionnel. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, Rabbeinu nous enseigne dans sa Torah, dans l'Écoute Moral, que la plus grande grandeur de tout, c'est quoi? C'est quand tu arrives à faire le shalom entre le corps et l'âme. C'est-à-dire que tu rabaisses le corps envers l'âme et que le corps il devient le serviteur de l'âme. Et quand il y a ça, c'est une paix qui est énorme. Mais ça entre nous, c'est pour les tzadikim, parce que ça ne nous parle pas du tout ça. Hein? Quand on veut quelque chose, on le fait, après tout. Je ne sais même pas si on sent quelque chose de notre Neshama. Vous savez ce qu'il dit Rabbeinu dans la Torah Zayin du deuxième Chélek? Il dit, si on aurait senti la lourdeur, la pesanteur d'une seule Avera, une seule. Rien, on ne pourrait pas supporter du tout. Imagine-toi, Chas V'Shalom, la chose la plus grave qui puisse exister au monde. Imagine-toi. Eh bien, cette imagination, mets-la fois 100, fois 1 milliard, par rapport à quand une personne fait une seule Avera. Rabbeinu nous dévoile qu'une Neshama, elle vient d'un juif, elle est tellement grande, elle descend d'un endroit tellement énorme, que quand elle redescend dans ce monde-ci, déjà, le bébé, il pleure quand il naît. Pourquoi il pleure, le bébé, quand il naît? Il dit, mais d'où je viens et où je suis? D'où je viens et où je suis? Il comprend pas, il pleure tout de suite. Il dit, mais c'est quoi ça, cette terre? C'est quoi ce truc-là? Et bien, un moment où un homme, il fait une toute petite avera, la Neshama, elle reçoit une lourdeur. C'est tellement lourd et tellement horrible, tellement... On peut pas s'imaginer. On serait
mort tellement que tellement qu'on s'en aurait vu ça. Donc imagine-toi le corps qui est complètement grossier, comme tu dis. Complètement grossier. Le corps, il a de l'effronterie. Je veux du Coca-Cola qui est hyper froid. Je veux des glaces. Je veux des pizzas. Je veux sortir. Je veux kiffer. Et la Nechamel se dit, oh là là. Vous imaginez, des fois, des endroits où vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Vous vous êtes obligé d'y aller. Quand, par exemple, tu as besoin de faire ton passeport dans le bitoir, dans le Misra d'Apim, tu sais que tu vas rester là-bas 5-6 heures à attendre avec des Yougoslaviens, des Noirs, des Arabes, des trucs, tu vas attendre. Et à la fin, tu arrives, ils te disent, t'as pas les papiers. Et vas-y. Oh là là. Et vas-y, rebelote. Et après, reviens. Après, on te dit, c'est dans le troisième étage. Tu montes au troisième étage, c'est fermé. Ça, c'est encore rien. Mais imaginez-vous, Rabbi Nathan, il a dit, quand on l'a pris des deux mains et quand on l'a emmené à la prison, tu sais ce que c'est? C'est pas la prison d'aujourd'hui, hein. La prison d'aujourd'hui, c'est des hôtels. La prison d'avant, c'était des tueurs, des violeurs, c'était des Russes. Des gros, si on avait dit un mot qui était très... des rustres. Oui, rustres. Des rustres. C'était des Russes, c'était des mégouchamim. Et Rabbi Nathan, il s'est dit, il n'y a pas plus grave que ça. On me fait rentrer. Il a dit, Rabbi Nathan, la première chose que j'ai pensé, c'est quand je vais monter dans le ciel et on va m'emmener au Guéhinnom. On va m'emmener au Guéhinnom. J'y pense dès maintenant. Voilà, on m'emmène au Guéhinnom. Imaginez-vous. Et bien, quand un homme, il fait quelqu'un, il fait une toute petite avéra, mes amis, notre Neshama, elle sent exactement la même chose. Elle souffre un martyr exceptionnel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu, il nous dit, il faut faire le shalom entre le corps et l'âme. Ça, c'est des belles paroles, mais presque, on va dire, c'est un peu dur. On ne peut pas faire. Des fois, on fait ce qu'on veut, malasot. On fait ce qu'on veut. Mais on va avancer un petit peu, ok? Le Ari HaKadosh, il nous enseigne, il nous dévoile. Rien, je te coupe, pour revenir un peu au sujet. Si on ne ressent pas toute la grossièreté, toute la lourdeur de l'âme, c'est quoi? C'est à cause de la vérote? C'est à cause de quoi? Pourquoi on ne ressent pas cette lourdeur qui parle de Rabbeinu dans la Torah? Rabbeinu, il part dans une autre Torah, hein. Dans la Torah, là où il dévoile que le mois de Elul, il dit comme ça, « Imizke sheyargish kev avonotav ». Et jamais Rabbeinu, il fait, c'est la seule Torah dans tout l'Ikutei Moran qui dit « Imizke ». Il ne te dit pas « Ech zochim ».« Imizke ». Si tu as le mérite de goûter ce truc, ok. Mais Rabbeinu, il ne te dit pas comment goûter. On ne peut pas comment goûter, je ne sais pas. Comment goûter, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut pleurer. Il faut pleurer, il faut crier dans le Igbo des Doux, dans le Yard. J'en peux plus de cette enveloppe. J'en peux plus de cette enveloppe. J'en peux plus. Elle a trop d'effronterie. Si tu crieras, c'est sûr que tu pourras baiser ta chaîne goûter. Mais il y a aussi une façon qui est un peu simple. Quand des fois tu lis le Sefer Rabbeinu, alors quand tu lis sur une Mida, sur la Gava, tu ouvres un peu des livres. Les Midrashim, le Pele Yoetz, tous les livres qui parlent un peu. Et que tu commences le Shmirat HaLashon, par exemple. Quelqu'un qui veut garder sa langue. D'accord? Quand il ouvre dans le livre Shmirat HaLashon et qu'il commence un petit peu à lire ce qui se passe quand un homme il parle, et là sa langue devient une langue de vipère, crois-moi que tu vas avoir peur, hein, parce que là-bas il te fait vraiment peur. Quelqu'un qui va avoir un peu un petit choc. Exactement. Réchit Rochma, vas-y, tu vas pas dormir le soir. C'est terminé. C'est terminé. Ça, c'est pour te réveiller, c'est pour te... Après, Messilat et Charim, tout ça. Ça, c'est des livres que ça te donne des uppercuts. Mais maintenant, Rabbeinu, il dit, sans mes livres à moi, c'est un uppercut, tu tombes par terre, t'es KO. C'est pour ça qu'il dit, Rabbeinu, lis le Moussa, tout de suite après, ouvre mes livres. Pourquoi? Parce que mes livres, ils te donnent le conseil. Eux, ils donnent pas le conseil. Eux, ils te font peur. Avant, ça leur faisait peur, ça leur encourageait. Mais aujourd'hui, il a dit, Rabbeinu, vous allez avoir peur, après vous allez dire, bon, j'ai pas la force. Allez, j'y crois plus. Désespoir. Désespoir complet. Alors il dit, Rabbeinu, ouvrez les livres, et après ouvrez mes livres. Vous allez voir comment la beauté de la Torah, elle est grande. C'est le plus grand espoir qui puisse exister au monde. Alors. Donc maintenant, on va monter un autre slav, ok? Le Ari HaKadosh, il dit que quand un enfant, il vient et que son père est parti de ce monde, quand un fils
perd son père. Alors le Harizal, il dit, il explique c'est quoi la beauté. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans le ciel, combien c'est important, parce que c'est le Harizal qui a dévoilé qu'il faut aller dans le Kever après les 7 jours, après les 30 jours, après les années, tous les années. C'est le Harizal. Pourquoi il a dit ça? Il a dit parce que qu'est-ce qui se passe? Il dit le père, le fils, il est attaché avec son père, parce que c'est son père. Okay. Maintenant son père est parti de ce monde, donc il n'a plus aucun lien. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Kever? Dans le Kever, le corps, ou alors ses ossements, ils sont là. Maintenant, quand le fils y vient, son père est obligé de redescendre. Parce qu'il vient pour lui. Quand on vient prier dans un Kever, il descend. Donc qu'est-ce qui se passe? Il dit le Harizal. Akadosh Baruch Hu fait descendre la neshama de son père, qui est complètement en haut, dans son corps, son ancien corps. Et ça, il dit le Harizal, c'est la création du monde. Pourquoi? Parce que Kaviachol, il est mort, mais maintenant que tu fais descendre Aneshama, il revit. Donc c'est comme si tu lui fais faire revivre son père. Pareil pour un ami. Quand on va venir voir un ami, quelqu'un qui est enterré depuis très longtemps, et quand on vient, Aneshama, elle redescend, c'est obligé. Maintenant, quand on le fait redescendre, on fait un lien avec le corps et l'âme. Mais comme l'âme, elle est déjà en haut, le corps, il est déjà mort, donc c'est le corps et l'âme. C'est le shalom entre le corps et l'âme, mais pour le bien. Pas comme nous, parce qu'on est encore vivant, on a encore le libre arbitre. Donc ça fait un tanoug qui est énorme. C'est pour ça qu'il dit le Harizal, c'est très important d'aller voir les morts. Surtout des gens qui étaient leurs amis, surtout. De ne pas les enterrer, de les laisser tranquilles. Quelqu'un qui avait un ami, ou un père, ou un grand-père, ou je sais pas quoi. C'est important, pourquoi? Parce que tu lui fais une bonté tellement grande. En haut, ça veut dire c'est fini. Quand tu montes en haut, c'est fini. Mais quand, grâce à toi que tu viens dans son kever, c'est-à-dire, il y a encore de la vie après la mort, ça veut dire, il peut continuer encore, des sruyotes, il peut encore, les mérites, ils continuent grâce à toi. Pourquoi? Parce qu'il redescend dans son corps, c'est comme une résurrection. Quel mérite? Le fait que tu es venu. Mais lui-même, c'est une parmi, il n'a pas mérite, il n'est pas fait amasser dans lequel il a écrit le... Oui, mais le fait que tu vas lire des télines dans son kever, c'est pour lui. T'as compris? Tu vas grâce à ça mettre une tzedaka, faire un Miché Bérard, je sais pas ce qu'on fait. C'est pas possible, mais donc on ne peut pas monter sans descente. Donc quand tu le fais redescendre, on peut encore remonter, plus remonter. Exact, exact. Parce que la chute, c'est que pour monter. Et c'est énorme, et c'est énorme, énorme ce truc-là. Ok. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose. Excusez-moi qu'on va un petit peu se mettre dessus, parce que c'est important de savoir. Un jour, je suis parti chez Rabbi Israël, et dans le chemin, comme ça, j'ai vu quelqu'un qui n'était pas très, on va dire un petit simplet, okay, pas très normal. Et cet homme-là, il m'a dit, où tu vas? Je lui dis, je vais aller voir un l'Ishtater Al-Kever Shel Tzadik, je vais aller l'Ishtater Al-Kever Shel Tzadik. Alors il a rigolé. Il a dit, ah, tu crois que c'est toi qui vas aller être l'Ishtater Al-Kever Shel Tzadik? Il dit, mais je t'explique l'histoire. Le vrai mort, c'est toi. Quand tu vas aller chez le tzadik, c'est lui qui va s'allonger sur toi. C'est lui qui va te donner, c'est pas toi qui va aller chez le tzadik. C'est toi le mort. Le vrai vivant, c'est lui. C'est pas toi qui va aller le voir, c'est lui qui va te voir. C'est toi le mort, il va te donner un peu de vitalité. En vérité, mes amis, quand on voit un mort, vous savez que chez les Breslev, il y avait un travail comme ça, de y aller dans des batekvot. Et de voir, vous savez, avant, en Ukraine, parce qu'il y avait beaucoup de pluie, alors la terre, elle était toujours mouillée. Alors des fois, malheureusement, il y avait des corps qui remontaient, malheureusement. Ah ouais. Et il y avait beaucoup, on voyait des chassidim de Breslev qui tournaient toujours là-bas, et eux, ils faisaient ce travail de réarranger tout ça. Et quand on leur demandait pourquoi, ils ont dit, c'est pour qu'on puisse ressentir c'est quoi les vrais morts. Parce que nous, on croit qu'on est vivant, mes amis. On croit qu'on est vivant. Un homme qui veut de ta vote, c'est un homme mort. C'est un homme mort. On est des morts. On est des morts vivants. Comment ça s'appelle là? On voit beaucoup dans les films des morts vivants. Des zombies. Vraiment, on est des zombies. Mais mec, on est des zombies. Est-ce que vous avez déjà vu? Vous savez ce qu'on disait sur Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il avait un nez rouge. Il était toujours rouge, il suait. On disait que il buvait, on disait que c'était quelqu'un de... Qu'est-ce qu'on dit sur les nanars qui sautent? Ils prennent de l'ecstasy. Pourquoi, mes amis, c'est ça? C'est parce qu'ils comprennent pas
qu'on peut être joyeux, qu'on peut être vivant dans ce monde. Vivant. On est tous des zombies, alors on croit que c'est comme ça qu'il faut être. Mais un vrai juif, comment il doit être? Comme ça, il va être comme ça, ça va très bien, ça va, ça va. J'avais déjà vu des rondelles aujourd'hui, comment ils dansent, des ronds, comme c'est qu'ils marchent. Ils marchent en faisant des rondelles. C'est pas ça, hein. C'est pas ça de danser quand Rabbeinu il a dit de danser. C'est pas de faire des rondelles comme ça, de tourner autour en rond. C'est pas ça. C'est pas ça un vrai. Des danser, c'est de taper des mains, de sauter. Rabbeinu il a dit, Rabbi Nathan il a dit, quand on avait vu Rabbeinu l'année où sa fille Sarah elle s'est mariée, Rabbeinu il avait dansé plusieurs fois cette année-là. Il a dit, si vous aurez vu le comment Rabbeinu l'a dansé, Laura Atov Miyamav. Il ne sait pas ce que c'est le tof dans sa vie, si vous n'avez pas vu. Mais j'essaye de moi d'imaginer, qu'est-ce qu'il a pu faire à Benoît quand il était là? Qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des calipettes, qu'est-ce qu'il a fait? Pour que Rabbi Nathan dit, celui qui n'a pas vu danser à Benoît, il ne sait pas ce que c'est le bien dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui est mort, il y a bien une différence. On va dire pas à quelqu'un qui est mort, un zombie. Un zombie, c'est quelqu'un qui est vivant. Mais en vérité, dedans, il est mort. Il est comme ça, il n'a aucun sentiment. Mais on est pareil. Imaginez-vous, tu mets de la vitalité à quelqu'un. Ça devient une fusée, le mec. Il est tout pétillant, il est frais. Il vit, il rebondit. Chaque chose. Vous savez, aujourd'hui, on a beau malheureusement parler des siffres Rabbeinu. Mais en vérité, Rabbeinu, il a dit, il suffit d'un seul dibour de ma parole pour que vous puissiez rebondir jusqu'à la fin de tous les temps. Le Magui de Mezrich, on a déjà beaucoup parlé de ça. Le Magui de Mezrich, il a vu une fois le Baal Shem Tov. Ça lui a suffi, pourquoi? Parce que lui, il n'avait pas besoin. Lui, tu lui as dit un truc, il a déjà compris tout. Il était vivant. Il a tout compris. C'est comme par exemple, il y a un marchef. Tu fais rentrer la torna dans le marchef. Et c'est terminé, une fois. Mais nous, à chaque fois qu'on ouvre le marché, il faut remettre tous les tornotes, le Windows, le truc, le Word, le truc. Pourquoi? Parce qu'on est complètement cramé. On est comme ça. Et aujourd'hui, on a beau dire des millièmes, des centièmes de torotes, et on dit, ouais, c'est beau, c'est bien. Celle-là, je la connais, cette Torah. Ouais, celle-là, on l'avait déjà faite. Ouais, je la connais. Je ne vais pas dire quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Yo, mes amis, c'était pas ça. L'histoire, c'était pas ça. Rabbi Israël, il pouvait rester des heures et des heures sur une seule parole de Rabbeinu, et à chaque fois qu'il a répété, c'était avec une itrachut encore plus qu'avant. Et il s'étonnait, après 100 fois qu'il a dit, il s'étonnait. Mitzvah de la lire Bessimra. Après qu'il a dit ça 100 fois, il était étonné. Étonné le mec, étonné. Imagine la grandeur de ça. Et après ça continuait, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et nous, on est comme ça. On est comme ça. Alors c'est ça la grandeur et la beauté. C'est que un mort, regardez un mort. Eh bien il faut savoir, il faut y penser que nous on est pareil. On est exactement pareil. Et le fait que quand on vient dans un caverne d'un tzadik, non, on parle pas d'un tzadik là. Là on parle d'un homme normal. Quand on vient chez un ami ou chez quelque chose, le Harizal il dit qu'on fait quelque chose d'énorme, une tova qui est énorme avant. Pour lui, pourquoi? Parce que tu fais le shalom entre son corps et son âme. Parce que tu amènes sa neshama dans son corps pour que tu puisses prier tout ça, donc c'est énorme. Et là, Rabbi Nathan, il vient. Et là, il nous dit, si le Harizal a dit ça pour quelqu'un qui est très simple et très normal, quand on vient chez un très, très grand tzadik, ok, comme tu as dit toi, le tzadik, il a besoin de monter très haut. Le tzadik, son corps à lui, mes amis, c'était pas notre corps à nous. Son corps à lui, il est vivant. Son corps à lui, il est vivant. Il est frais. Quand ils ont ouvert le kever du Chida, il avait ses sourcils, il avait tout. Il est frais, le corps. Imaginez-vous quand vous faites rentrer, vous venez chez le tzadik, vous faites descendre un échama du tzadik dans son corps. C'est mamash, mais 100%, ça veut dire BMF. Mamash, ouais, il est vivant. Kratamitim. Et mes amis, il y a eu des histoires déjà hein, dans la Gemara. Un jour, Rafapa, il vient, il passe dans une grotte et il trébuche avec une pierre. Et quand il trébuche avec une pierre, il y a une voix qui sort de la terre qui dit « Qu'est-ce qui m'embête ?» Alors Rafapa, il s'est retourné. Il a dit « Qui tu es ?» Il a dit « Je suis Rabbi Zeira. » Il a dit « Et c'est quoi et qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Pourquoi tu m'as réveillé ?» Je suis descendu de très haut. Alors il lui a dit « Mais je t'ai réveillé ou tu dors, tu es mort, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Non, je suis mort, mais parce que tu es venu, rien que ta présence,
Parce que tu es venu dans ma... Parce qu'avant, il n'y avait pas de caverne avant. Il n'y avait pas de tombe. Avant, ils enterraient dans des grottes. Donc, on ne pouvait pas toujours savoir qu'est-ce qu'il y avait. Donc, le fait qu'il ait passé là-bas, il... tout de suite, Rabbi Zera est descendu. Et il est devenu vivant, il parlait. Et Raphaël lui dit, attends, si t'es mort et que tu me parles normalement, je sais pas, réveille-toi, ben, je sais pas, c'est quoi la différence entre là ou là? Il dit, en vérité, aucune différence. Aucune différence. Il n'y a aucune différence. Si maintenant je suis là et demain... Voilà, c'est d'une pièce à une autre pièce. Les tzadikim, quand nous on vient chez les tzadikim, mes amis, je peux vous dire à 100%, et moi j'ai pas de safek de ça dessus, si on prend une pelle, il est vivant. Mais si on vient avec concentration, avec des choses comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des histoires sur l'Arizal et Rabbi Chaim Vital, comme quand l'Arizal il envoie Rabbi Chaim Vital dans des endroits, et il lui dit exactement là-bas va prier, parce que là-bas c'est la tombe d'un tel. Et quand Rabbi Chaim Vital y revenait, l'Arizal il se levait. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai vu l'aneshama de ça. Rava Abaye, tous ces trucs, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a attiré l'aneshama du... Tu t'imagines, ça veut dire qu'il a fait une triat amitié énorme. Maintenant, c'est pas pour le tzadik, parce que le tzadik, il n'a pas besoin de ça. Lui, il est vivant partout. Mais c'est pour nous. C'est la beauté et la grandeur de nous. Regardez maintenant comment c'est quoi les opposés. Lui aussi, il a une tova quand même. C'est certain qu'il a une tova. Mais en vérité, par rapport à ce qui se passe, c'est plus pour nous. Parce que... Maintenant, on va monter d'un autre niveau. Et on va parler... On va parler du shalom qui nous touche aujourd'hui. Comme on l'a dit nous-mêmes, nous on est des morts vivants. Ok. Quand on vient, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand on vient chez le tzaddik, grâce à ça, on ramène le tzaddik en bas. Et comme on a dit avec le Arizal et Rabbi Chaim Vital, il y a une possibilité qu'on a un lien avec ce tzadik. Ce tzadik qui nous donne sa neshama, Kaviatol. Il nous reste une très bonne odeur, un reshimo, une empreinte qui est exceptionnelle. Quand on vient chez un tzadik qui est énorme. Surtout si c'était un tzadik que toute sa vie, il s'est occupé des gens. Parce qu'il y a des tzadikim qu'eux, ils ne se sont pas occupés du peuple juif. Ils se sont occupés d'eux-mêmes ou alors de leur communauté. Mais ce n'était pas pour le klal Israël. Mais une neshama d'un tzadik qui s'est occupé pour le klal Israël, quand tu viens chez lui... C'est son travail. C'est obligé qu'il y ait une empreinte qui est exceptionnelle, énorme. Okay. Comme on a posé une question tout à l'heure, comment on fait? Rabbeinu nous dit qu'on a un problème avec le shalom entre moi et mon corps, un échama et mon corps. C'est beau que Rabbeinu nous a dit ça, mais comment j'arrive à faire? Comment j'arrive à faire un shalom entre que mon corps puisse être anéanti par notre échama? Et là, Rabbi Nathan, il est très fort. Rabbi Nathan, dans Ilchot Kacha avec Tovet Kaka, dans Alacha Gimel. Là, Rabbi Nathan, il déclare quelque chose d'exceptionnel. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Le mort, c'est moi. Je suis mort. Ce qu'il a dit, c'est un peu simple. Le tzadik, c'est lui. Et le tzadik, c'est lui. Maintenant. Chaque homme, on va parler de nous, parce qu'on parle de nous, ok? On va parler de nous. C'est pas si simple que ça, alors. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit, je vais pas dire un fou, parce que c'est eux les vrais normales. Regarde jusqu'à où on est complètement naze. Et en plus, nous, on connaît Rabbeinu, et on regarde jusqu'à où ça va. Quand nous, on a un Baruch HaShem de la Emouna, de Rabbeinu Nahon, on y croit à Rabbeinu. On y croit à ses élèves, on y croit au tzadikim. On croit que Rabbi Nathan, c'est l'élève. Et Rabbeinu, c'est le plus grand de tous les plus grands. Et que tout ce qu'il a écrit, c'est du vrai sur du vrai. Et que l'essentiel de tout au monde, c'est que Rabbeinu qui peut nous aider. Il n'y a personne d'autre au monde qui peut nous aider. Quand on croit toutes ces croyances-là, ça veut dire qu'on appartient. C'est pas juste une croyance. Comme les... Je ne veux pas dire les autres, mais quand on parle concrètement, nous, ben mec, nous tous, c'est vrai que par rapport à nos actions, on est naze. Mais dans notre cœur, on brûle bien pour Rabbeinu quand même. On a une amour pour Rabbeinu. On a une envie, on l'aime, on l'admire, c'est notre idole. On veut ressembler à lui. C'est vrai que nous, on ne veut pas. Donc quelque part chez nous, mes amis, je vais vous dévoiler, que quelque part chez nous, on a un lien qui est très fort avec Rabbeinu. On a un lien qui est très fort avec nous. Mais le problème, c'est que comme on est pieds sur terre,
toujours, on se rappelle comme quoi on est humain, on est normal. Bon, j'ai mon travail, j'ai mon truc, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai le truc, et vas-y, je suis occupé. Il dit comme ça, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan. Il dit, on va prendre ça au niveau de la vie d'une personne. Quand quelqu'un, il est dans une période le plus mal qui puisse exister. Ok ? Il est le plus loin qui puisse exister. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé plein de fois. Et tout le temps, et toujours, et ça continue. Des fois, t'en peux plus. C'est terminé, t'en peux plus. Il n'y a plus aucun goût à rien. Tant tout, tout est... Tu sais pas, tu comprends pas. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début ? Plus les extrémistes, ils sont extrémistes, plus quand tu les ramènes, ces extrémités, ça devient, c'est le shalom le plus grand, ok? Il dit comme ça, Rabbi Nathan. Des fois, tu descends, ou alors on te fait faire descendre. Le plus bas du plus bas. Le plus bas du plus bas. T'es à l'extrême gauche. À l'extrême gauche. Quoi, gauche? C'est-à-dire dans le mal. Ah, d'accord. T'as vraiment plus rien. T'en peux plus, tu comprends pas ce qui se passe. Tu te sens pas, t'as pas la vitalité. En vérité, mes amis, on est tous comme ça, mais on fait pas attention, ça sera encore plus grave. C'est qu'on est dans l'Astara, chez Betor Astara. Mais le fait est qu'on ne prie pas avec la Itrayut, Vitorut, Vitlavut, le fait est qu'on n'étudie pas, qu'on ne voit pas la lumière et la grandeur et le feu de Rabbeinu, ça veut dire qu'on est vraiment mort, on est vraiment, vraiment rustre. Ok ? Alors il dit comme ça, Rabbi Nathan, plus une personne elle descend, ça devient l'extrême gauche, ok? Elle descend jusqu'à où des fois il n'y a pas plus bas, d'accord? On n'est pas obligé. Dit Rabbi Nathan, mais il y a le nitzotz, il y a une toute petite étincelle. Cette étincelle, c'est quoi? C'est Rabbeinu. Il est en toi, ce Rabbeinu. C'est toi-même qui l'a fait faire rentrer. C'est ton amour, c'est ton idole, c'est ta émouna que tu as envers lui. Quand tu restes dans le plus bas fond qui puisse exister au monde. Et tu te rappelles juste qu'il y a un Rabbeinu dans le monde. Et tu cries Rabbeinu. Et tu te rappelles. Tu n'accomplis pas. Parce que tu n'accomplis pas parce que tu es dans l'extrême gauche. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est le shalom le plus grand au monde qui puisse exister. Et des fois, il dit Rabbi Nathan, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de ce shalom. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui se croient trop des tzadikim. Parce qu'ils se croient être tzadikim. Alors leur corps et leur neshama, dans leur dimayon, il est proche. Alors il n'y a pas de shalom. Alors Akadosh Baruch Hu, il a besoin de quelqu'un qui sait qu'il est loin. Il a besoin de quelqu'un qui sait qu'il est complètement bas. Mais il y a des moments où Akadosh Baruch Hu lui donne une petite étincelle, une petite lumière. Et d'un coup, il se rappelle la grandeur de Rabbeinu. Il se rappelle tout le nian du kibbutz. Il se rappelle tout ce qui se passe, les histoires sur Rabbeinu, les histoires sur Rabbi Nathan, tout ce qu'ils ont passé, des petites torotes qu'il a étudiées. Au moment où il se rappelle ça, il a une envie, une itororut, il a une envie, il a dit, purée, ce que je voudrais être là-bas, moi. Ce truc-là, là, à ce moment-là même, t'as fait un shalom d'extrémiste, d'extrême, tu peux pas t'imaginer. Et ça, lo matza akadosh baruch hu kli marzik bracha l'israel shalom. Tout, il a dit, c'est beau akadosh baruch hu, tout c'est beau. Mais ça, c'est le plus beau que tout. Quand vous êtes le plus bas et vous vous rappelez du plus haut. C'est les deux extrêmes qui puissent exister au monde. Et c'est ça qui nous dit Rabbeinu, de faire le shalom entre le corps et l'âme. Pourquoi? Parce que mon corps, il est complètement bas. Mon âme, il est complètement haut. Mais le bas, il m'amène tout en bas. Mais tout en bas, je me suis rappelé de Rabbeinu. Tout en bas, je me suis rappelé de Dieu. Tout en bas, j'ai eu des languissements pour Hachem. Il n'y a pas plus haut que le shalom que ça. Et c'est pour ça que des fois, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ça ne fait rien. On descend. On n'a pas le route, on n'a pas l'envie. On n'a rien. Et ça ne fait rien. Il faut se laisser aller. Et attendre. Akadosh Baruch Hu qui nous envoie l'explosion comme ça. Un petit grain de sel. Ce grain de sel-là, c'est une lumière qu'Akadosh Baruch Hu va t'envoyer. Qui va complètement t'éclaircir. Il va te faire montrer. Et là, il dit à Rabbi Nachman, rappelle-toi que ce moment, parce que ce n'est pas un moment qui va durer longtemps, c'est des fois une petite minute, une heure. Des fois, c'est une journée. C'est un cadeau. C'est dans la marche à bas. C'est dans le sentiment. C'est pas dans la marche à bas, c'est dans le sentiment. Ouais. Tu te rappelles. Ça se peut aussi que c'est dans la marche à bas. Chacun, c'est son truc. Tu te rappelles d'une histoire.
La personne elle est passive, simplement elle est comme ça et tout. Ouais, et, voilà. Il a une saga. Une saga, mais pas toujours. Moi je vais te dire, un jour moi ça m'est arrivé aussi. C'était comme ça dans le. C'était comme ça. Je marchais dans la rue et un jour j'ai vu quelqu'un. Et il m'a dit une parole de Rabbeinu. Mais une parole, mais vraiment simple. Mais dans la noireté que j'étais, cette parole, elle m'a chamboulé. Ça m'arrive, moi. Ouais. Elle m'a chamboulé. On s'y attend pas, ça. On s'y attend pas. Ça m'a chamboulé. Et ma mâche, tu pouvais la lire et la relire, hein. Mais parce que ce mec, il est venu en inaperçu. Et bam, ça t'a fait quelque chose. Des fois, tu peux lire un livre, ou alors t'entends une histoire dans la radio, on va savoir. Tu sais pas, des fois, c'est un téléphone, tu sais pas. La Kadosh Baruch Hu, il fait les choses, comme quoi il te dit un truc, et ça te fait exploser, tu sais même pas pourquoi. Ça, c'est la beauté, la grandeur, mais ça, c'est le shalom, mes amis. Mais c'est dommage qu'on n'a pas parlé un peu plus du shalom au début, parce que vous savez que le shalom, c'est tout. Le shalom, c'est tout. Le shalom, c'est tout. Parce que la création du monde, c'est le Efer HaShalom. Parce que le shalom, c'est quoi? C'est un, c'est l'union. Quand Akash Baruch Hu a créé le monde, il a cassé l'union. Il a fait le nombre. Maintenant, il y a deux. Après, il y a trois. Et il y a quatre. Et plus il a continué à créer, plus il y a eu le nombre. Et tout, l'essentiel de tout, c'est quoi? C'est de réunir et de tout revenir vers l'unité. Donc, il dit à Akash Baruch Hu, celui qui fait le shalom, c'est lui qui me ramène mes pertes. Kavirah Akash Baruch Hu, tu t'imagines? Je me suis cassé en mille morceaux. Ramenez-moi mes morceaux. C'est un puzzle. Le shalom, c'est tout dans le monde. C'est la réponse à toutes nos questions aussi. C'est la réponse à tout. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien. Shiviti Hashem Elektamid, ça veut dire quoi Shiviti Hashem Elektamid d'après le Baal Shem Tov? C'est la première chose qu'a dit le Baal Shem Tov dans son testament. Shiviti Hashem Elektamid, j'avais que tout soit pareil pour toi. Bien, mal, haut, en bas, descend, joyeux, pas joyeux, tout, j'avais. Shiviti Hashem Elektamid, j'avais. Tout, c'est j'avais. Parce que chez Dieu, tout est chavé. Chez toi aussi, tout doit être chavé. C'est quoi chavé? Tout est un. Tout est pareil. Tout est égal. Il n'y a pas bien, pas bien. Pour moi, tout est comme il faut. Tout est yud kevavke. C'est la shlemout. Et c'est quoi shalom? Shalem. C'est ça. Le shalom, c'est quoi? C'est la shlemout. C'est la perfection. On est venu dans ce monde-ci pour faire la paix entre le corps et l'âme. C'est comme ça. Vous savez que quand on va mourir, après 120 ans, Bezrat Hashem, ça va être très dur quand l'âme, elle va sortir du corps. Ça va faire pas très mal, ça va faire très 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 mal, mais ça c'est pour qui? Pour quelqu'un que toute sa vie, le corps est là, l'âme il a dit, oulala, tu m'as fait souffrir pendant 70 ans, moi je vais te déchirer quand je vais sortir de chez toi. Et il le déchire. C'est pas sympa. Mais non, mes amis, mais c'est l'histoire, c'est quoi? C'est le corps qui a été pas sympa ou c'est l'âme? L'histoire c'est quoi? C'est que Dané en tire le corps depuis le départ. Après il a écrit, comment les tzadikins, comment ça se passe leur corps quand l'année Shama elle part? Et écrit, c'est comme si tu retires un cheveu d'un verre de lait. C'est comment ça se passe? Le lait, il est blanc. Le cheveu, tu le vois tout de suite. Tu prends, tu le sors. Et écrit, comment ça va se passer pour quelqu'un de normal comme nous? C'est comme si tu fais sortir un coton qui a été complètement broyé avec des roses. Avec des pics. Des ronces. Des côtés. Ça sent le truc. Tu prends, il en reste encore un peu. Et vas-y. Tu fais mal, entre-temps. Et tu te piques. Et t'as du truc. Et vas-y. Et il en reste encore. C'est spécial. La Gemara nous raconte des histoires dans ma Maseret Brachot au début. Comme quoi il y avait des morts qui étaient déjà morts depuis très longtemps, depuis un an, deux ans, trois ans. Il y avait quelqu'un qui entendait comment les morts se parlaient. Et il entendait que les morts, ils gardaient leur habitude que quand ils étaient vivants. Alors la Gemara pose la question, voilà. Mais comment ça se fait? Et bien la Gemara dit, mais qu'est-ce que vous croyez que quand vous mourrez, c'est terminé l'histoire? Vous restez le même. Vos habitudes restent les mêmes. Vous allez souffrir jusqu'à que vous allez vous habituer que vous êtes mort. Ils savent même pas qu'ils sont morts. Mais tu t'imagines de ça? Je veux mon café, je veux ma cigarette, je veux mon film, je veux mes musiques. Le mec, il est mort. Il est bête, c'est vous à cause de ça. C'est quoi? C'est, il est dans le Guéhinnom, mais c'est, il n'y a même pas de place dans ça. C'est ni en haut ni en bas, c'est entre les deux. Ah bon? Il n'a même pas de réparation, il peut même pas prendre son petit coup. Oh là là, il y en a beaucoup de coups. Mais la majorité, malheureusement. Mais c'est ça, Rabbeinu, il vient, il nous apprend. Il nous apprend comme quoi il faut enlever l'effronterie de notre enveloppe, de notre corps. Il n'arrête pas de nous réclamer des choses qui sont donc pas normales du tout. Est-ce que c'est le shalom? Parce que le shalom, on va l'apprécier encore un petit peu plus. Et des fois, dans la Vera, on pense à Rabbeinu. C'est de ça que je parle. Dans aussi. La Vera même. C'est de ça que je parle aussi. C'est pas dans la Vera. Encore plus, bien sûr. C'est surtout aussi pendant la Vera. Mais Rabbeinu, il a dit, mais ça y est, vous êtes venu chez moi, vous êtes marqué. Vous êtes marqué, vous ne pourrez plus faire rien. C'est-à-dire quoi, vous ne pourrez plus faire rien? Oui. Pourquoi ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que même quand tu vas faire ton avéra, tu vas dire, curé, mais pourquoi je fais cet avéra? Rabbeinu, il m'a dit, c'est pas vrai. Donc, même le kiff, il te l'a enlevé. Rabbeinu, il a brisé les pieds et les mains. Il dit, bien, yadem, bien réglé, vous aurez plus de nachat de ces. C'est une notion de chaleur, ça aussi. C'est une chaleur, bien sûr. Plus tu descends en bas, je t'explique. Mais moi, pour moi, c'est pas ça le plus grave. Toi, tu dis, c'est plus haut. Pour moi, le plus grave, c'est le désespoir. Tu veux faire des avérotes du matin jusqu'au soir. Tant que tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est mal. Tu vas souffrir pour ça. Mais c'est pas ça, l'histoire. L'histoire, c'est quelqu'un qui a désespéré. Ça, c'est encore plus grave que tout. C'est pas là-bas qu'il dit que Dafka, Dieu, il a comme il a besoin de ce shalom et que les tzadikim, il parle là-bas des tzadikim qui disent qu'ils veulent pas descendre là-bas parce qu'ils croient qu'il faut rester là-haut, etc. Alors, il prend des gens pachoutes, il les amène dans des endroits les pires. Mais Dieu, mais Kavana, les pires, pour que là-bas, il se rappelle du tzadik. Et que Dieu, il fait le shalom comme ça, et il se sert de ce shalom-là, parce qu'il en a besoin. Exact. D'Arka Bekavana, il nous en a besoin. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, quand un homme, il descend, on le fait descendre. Parce que c'est dans les deux cas. Des fois, à Kadosh Baruch Hu, c'est ça. Parce qu'il y a... besoin du shalom, déjà quoi, quand bah, il y a une Torah du côté moral. Tu connais pas la Torah du côté moral? La Torah de la Messie Nefesh. C'est une Torah qui fait très peur. Rabbeinu dit, des fois, dans le ciel, il y a un korban. Dans le korban d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas des bêtes, malheureusement. C'est ou des tzadikim ou plein des juifs, malheureusement. Et malheureusement, si Ras Vechalom, ça se fait pas en haut, ça se fait en bas. Et il y a écrit comme ça, la terre a soif du sang des juifs. C'est pas génial, le kavod, tu crois, il parle du kavod là-bas. Oh si, si, il parle du kavod. Et il dit là-bas que Rabbeinu, il dit, c'est pour cela que... Alors, si elle reçoit pas du sang, si elle reçoit de l'eau, c'est-à-dire la pluie, alors elle est... rassasié. Mais si elle n'a pas la pluie, il y a eu du sang. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais quand il a commencé la guerre, la dernière guerre, il n'a pas plu. Il y avait la sécheresse. Et juste après. Et je me rappelle, on était chez Yitzhak Taïeb et on a parlé de ça. On a fait un cours sur ça. Comme quoi la terre, et en plus ils étaient prêts à rentrer dans le truc. Et ils attendaient, ils étaient là-bas, ils attendaient s'ils rentrent, s'ils rentrent pas. Et nous on s'est dit, Chas Veshalom, s'ils rentrent, il n'a pas plu, ça va être un désastre. La terre, elle va boire le sang, Chas Veshalom. Et et c'est filmé, hein, c'est filmé. On peut voir dans le site. Et on a chanté comme ça un quart d'heure nanar, pour qu'il y ait de la pluie. La semaine d'après, il y a eu de la pluie. Ils sont rentrés, ils sont ressortis, il n'y a rien. Malheureusement, pourquoi je te dis tout ça? Parce que dans le ciel en haut, et c'est pour ça, donc des fois, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de sacrifier, on va dire, un nombre de personnes. Alors des fois, il prend une seule personne qui vaut 100 pour tous. Des fois, malheureusement, il en faut 15 comme ça. C'est pour faire un Yehud Agrashrina, un peu comme ça? C'est parce que, et ça, c'est pour ça que c'est dur. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, c'est le Yehud entre la Shrina. C'est comme ça, malheureusement. On ne comprend pas. D'accord, ouais. C'est un korban. Oui, mais ça veut dire c'est... Ouais, on comprend pas. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il y a un Ichoud, il y a une union qui est énorme entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Alors il dit comme ça, pourquoi? Parce qu'il dit Ani, c'est un kli. Akadosh Baruch Hu dit Ani Hashem Elohechem Emet. Ani, c'est le kli. Et le kli, c'est le shalom. L'homme Akadosh Baruch Hu, kli, marzik, bachal, Israël, et le shalom. Et Akadosh Baruch Hu, il a besoin du kli. Maintenant, c'est le kli des tzadikim, ou alors des rechaim. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, quand il y a une Messirut Nefesh, il dit c'est quoi Messirut Nefesh? C'est où le nom ou voilà. Ou la personne elle-même? Parce que le nom aussi, c'est. Ouais. Quand on fait des bisounotes à quelqu'un, c'est comme si que on a. Il y a trois choses, non? Il y a le nom et quelque chose. Je ne me rappelle plus, ouais, mais il dit quelque chose. Alors là-bas, il fait tout le lien avec le shalom, que quand en haut il y a le shalom, quand il y a le shalom dans la paix, à Kadosh Baruch Hu, Kaviacho, il est rassasié, il n'y a pas besoin de korban, il n'y a pas besoin de tuerie, il n'y a pas besoin de rien. Il y a tout. Le shalom, c'est la clé pour tout. C'est la clé de tout. Il n'y a plus. Hein? Il n'y a plus. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. C'est pour ça le shalom, c'est tout. Le chasse en entier, il se termine avec le Matzah Kadosh Baruch Hu, Kli Marzik Bachal Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand le chasse il termine ça? Ça veut dire que. Que la maskana de tout le chasse. Voilà, c'est ça. Voilà. La maskana, c'est ça. Tu veux résoudre quand le goy, il est venu. Chez Hillel, il lui a dit, apprends-moi toute la Torah sur un seul pied. Il lui a dit, ce que t'aimes pas, qu'on te fait, ne le fais pas aux autres. Qu'est-ce qu'il a dit, Hillel? Il a dit, Eof shalom, tirdof shalom, vebakesh shalom.
aime, cours et demande la paix toute ta vie, tout le temps. Ça, c'est quelque chose de énorme. Et tout le lien du kibbutz, que Rabbeinu, il a dit toutes mes forces à moi, c'est quand il y a du kibbutz. Il a dit que celui qui vient de son kibbutz, il faut qu'il soit le shalom. Mais tout le lien, c'est le shalom. Et le siman que le kibbutz, il a été élevé, c'est s'il y a eu de la paix et de l'amour. Imagine, c'est un signe. Si... Je crois, c'est déjà parce qu'il y a tout le temps, non? Ouais, mais des fois, parce qu'un jour, il y avait un des kibbutzim, il y avait une marloquette dans le cloître, le temps de Rabbi Nachman de Toutchin. Et tous ceux qui ont été dans cette marloquette, ils sont tous morts cette année. C'est une histoire d'éclorise, la saison. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, Ras Bishalom, de ne jamais prendre aucune partie. Non, c'est Ras Bishalom, il y a une bagarre ou quelque chose comme ça dans un kibbutz. Il ne faut pas la faire, surtout. Ça, on n'en parle même pas. C'est sûr. Mais c'est-à-dire même pas prendre rien du tout, rien. Je suis pas là, moi. Moi, je suis pas là. Laissez-moi tranquille, je suis pas là. Je suis pas là. Est-ce qu'il peut y avoir le chaleur entre le corps et la neshama? C'est même deux extrémités. Ben, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Le corps, lui, sera tout le temps attiré vers l'état avot. Mapito, mapito. C'est le... Libi ou psari yeranenu le el chai. Tu veux dire quoi, libi ou psari yeranenu le el chai? Où on sent Dieu? Dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Libi ou psari? Je veux que mon cœur soit comme mon corps. Il a écrit, je l'ai déjà dit ça plusieurs fois, avant qu'Adam Arishon a fauté, les cinq sens étaient dans tous les membres. D'accord? Après qu'il a fauté, les cinq sens, ils sont partis dans les cinq membres. Nous, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est que même mon plus petit doigt, il a un sentiment comme mon cœur quand il a son sentiment le plus grand. Même ça, même ce petit doigt-là, il ressent le sentiment que mon cœur a pour Dieu. Quand tu ressens Dieu. Je veux que tous mes cheveux. Tu sais que le Aré Akadosh, il dit que quand tu dis Ishtabar Shimra Lad Malkenu le matin, alors tu fais réparer dans le ciel. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais les tikkuni dikna kadisha. On va pas rentrer dans ça parce que c'est compliqué. C'est la grande barbe dans le ciel. C'est quoi la grande barbe? C'est la pitié, la miséricorde, c'est les 13 points. Il y a 13 points dans la barbe, c'est les 13 midot de rachamim. Shir, Ushvacha, Alel, Vezimcha, Oz, Umemshala, Netzar, Gdula, Gvura, Tila, Tifret, Gduja, Umalchut. Il y en a 13, c'est les 13 points qu'il y a dans la barbe. Avec tout ça, ça doit démanger. Hein. Alors on dit comme ça que quand le Baal Shem Tov disait Ishtabar, sa barbe se mettait en 13. Waouh! C'est impressionnant ça. Quand Bémet, elle se décomposait en 13 morceaux. Waouh! Pourquoi? Parce que c'était Kolat Smotai Tomana. C'était tout son corps qui était éveillé à Dieu. On raconte que quand le tzaddik Rabbi Urim Istrelisk, c'était un chorette. Lui, il n'avait pas le pauvre d'argent pour acheter. Alors il allait dans la forêt, levait son couteau. Et il disait, qui veut être Shachout? Il a écrit qu'il y avait des centaines de béliers, de vaches qui couraient et qui mettaient leur cou pour être Shachout. Et lui, il faisait une seule, comme ça, il revenait chez lui à la maison. Et les gens, ils ne comprenaient pas comment un pauvre comme lui, il a de la viande, il mange de la langue, il mange ça et ça et ça et ça. Je vous ai raconté que le Baal Shem Tov, un jour, il a dévoilé une Torah qui était exceptionnelle. Ils étaient tous déterminés. Vous avez déjà raconté ça? Ils étaient tous dans un autre monde, c'était en plein de forêt. Et quand ils se sont réveillés, ils se sont revenus à eux-mêmes. Ils ont vu les chiens, les loups, les trucs, ils étaient à deux pattes. Ils étaient montés de niveau de BMA, les Médabères. Ils étaient tous à deux pattes. Maintenant, on marche à deux pattes. Je vous raconte que les tzitziot du Baal Shem Tov, ils vivaient. Ils avaient des sentiments. Ils marchaient. Il vivait, il bougeait comme ça. Parce que quand il a fait rentrer tellement de la nefesh roach neshama, il a fait descendre la nefesh roach neshama, c'était un homme, c'est comme un homme, ça vivait. Ça c'est quoi la tzmontai tomarna? C'est-à-dire même l'ongle, le plus petit ongle du petit doigt du Baal Shem Tov des pieds, il était encore plus vivant que son ongle. Il avait des sentiments, il avait des pensées. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment loin. Non? Après ou avant qu'il a coupé. On est vraiment loin. C'est pour cela. On parle du shalom. C'est ça le shalom.
de faire le shalom entre notre corps, notre cœur. Libi ou psari, que même mon corps, il ressent tout mon corps, ce que mon cœur ressent, et comme ça je puisse te louer Dieu. Et c'est la beauté de la grandeur. C'est le conte des enfants qui ont été changés. Exact. C'est exact. Quelque... Bah, le fils de la servante, c'est le corps, et le fils de du roi. Ah, moi je parlais pas de ça. Moi je parlais que. Mais parce que je me rappelle pas exactement, pour ça je l'ai pas dit. Il y a un cœur, Rabbeinu dit il y a un cœur. Non, ça c'est le conte des sept mendiants. Des sept mendiants. L'ongle du pied du cœur. Voilà. Il a la racine du cœur plus que tout le reste du membre. Voilà. Parce que le cœur, il a une forme. Voilà. Il a une forme humaine. Voilà. Et l'ongle du pied du cœur, il a l'essence du cœur le plus. Voilà. C'est dans le conte du sept mendiants avec la source et le cœur, c'est le véritable mendiant. Allez, un Mayan, exact. C'est le mendiant. C'est avec les oiseaux? Non, c'est pas celui des oiseaux, c'est le mendiant sourd qui entend aucune. Je crois que c'est le mendiant sourd. Aucune misère de ce monde. Aucune misère de ce monde. Non. Et après, il arrive à soumettre son gouffre, parce que son gouffre est d'arca son gouffre. Après, il se soumet à cause du lechem. Parce qu'il a un tava, mais lui, il comprend. C'est quoi, c'est le deuxième? Non, ça, c'est le conte des enfants qui ont été échangés. Ah ouais, très très fort. C'est tout ce que tu as dit. Et ça, c'est un corps qui est très spécial, ça, ce conte-là. Ce conte-là, c'est un corps très spécial. D'arca, il fait le shalom après, puisqu'il va là-bas et il rentre dans le parc. Et ils se font toujours poursuivre. Tout le problème, c'est qu'il n'y avait pas de shalom. C'est qu'on se sentait tout radou. Vous ne comprenez pas ce que s'était passé. Il fait rentrer le roi là-bas. Et le roi, c'est Shlomo. Il met tout à sa place. Et après, il met tout à sa place. C'est le chir. Le chir, c'est le chir. Tout ça, c'est tout. Parce qu'on voit tous les animaux qui bougent. C'est de Shlomo. Tout ça, c'est. Et Shlomo, c'est le shalom. Ouais. C'est toute cette Torah. Shimon Metoudi m'a parlé cette semaine. Il m'a fait parler. Il m'a dit qu'il y avait un juif en France qui avait imprimé. Un petit coup de trace sur l'alcha de l'écoute à la chotte avec le scaphandrier. C'est quoi le scaphandrier? C'est celui qui descend dans l'eau sous-sol avec un sinor. Un scaphandre. Et comme ça, il va pêcher. Il ramasse en bas. Et donc, ça s'appelle le scaphandrier. Ouais. Ok. Et donc, il apprend de ça à Abinatan que le tzadik il envoie des gens qui sont descendent tout en bas. Pour pêcher et après remonter des choses, il y a toutes sortes de choses. Ouais. Il m'a dit à la rage, j'ai oublié maintenant de laquelle c'était. Il m'a dit le nom. Et donc. D'après cette alra, je la cherche, ça fait des années. Ah ouais. Ben, mais... Il m'a dit, alors, oui, c'est vrai. Et donc, je connais même le passouk, je me rappelle de cette alra énormément. C'est une alra qui m'a fait exploser. Il y a Akov Revel Nachalato. Revel Nachalato, il dit Revel. Il dit c'est pas, je crois pas que c'est scaphandrier. Il dit que non, c'est peut-être en français il a voulu l'expliquer comme ça, mais regarde, il y a le scaphandrier. C'est le scaphandrier, c'est quelqu'un qui fait faire descendre, qui descend dans la mer, voilà. Mais pas profondément, d'accord, okay. Parce qu'il a son, il a le tuyau, il faut que le tuyau il reste en haut. Voilà, donc c'est pour ceux qui restent, hein. Ça c'est le tuba que tu parles, scaphandrier. Il peut descendre profondément. Tu sais, il a la grosse combinaison en fer là pour tout le corps. Il a ici de la du ramsan. Il ne peut pas descendre. Oui, mais c'est avec un tuyau. Il y a quelqu'un qui pompe comme ça et il est toujours relié avec le là où il est pas. Non, moi ce que je vous parle, c'est le mec qui descend des 500 mètres. Ça n'existait pas autour de Rabbi Nathan. Ça n'existait pas. Le tuyau. Parce que Rabbi Nathan il dit comme ça. Il y a des gens qui descendent en dessous de la mer, mais ils descendent tellement bas qu'ils doivent avoir un filet, qu'ils doivent être tenus, pour pas qu'ils se perdent, pour qu'ils puissent remonter. Donc le plus qu'il peut descendre le plus bas, il est toujours lié avec un câble. Et il dit maintenant, quand celui d'en haut, il le ramène, c'est celui d'en haut qui le fait monter. Ouais. Alors il dit, Yaakov Revel Nato, c'est qui Yaakov? C'est tout le peuple juif. Revel Nachalato, on est toujours attaché par le ciel en haut. Donc ne me dis pas t'es monté, t'es descendu. C'est en haut qu'on te fait faire monter quand on te fait faire descendre. Et nous on descend toujours dans les yémet théomotes, on descend dans le plus bas des plus bas des plus bas. C'est une alara qui est exceptionnelle cette alara. Il faudrait que tu me la fasses montrer parce que. Je me rappelle que c'est dans Orachaim, ça je me rappelle à 100%. Orachaim bête, exact. Ça se peut. Ça se peut. Sinon, tu peux passer s'il te plaît le rouge, le rouge, écoute la robe rouge. Bête,
Il suffit de voir sur un marché, faut taper Vayakhon. Alors j'ai essayé de taper, j'ai essayé de chercher. Vayakhon Yaakov, ça a rien donné. C'est pas souple. Je sais pas. Parce que, attends, t'avais dit Birkat Ariach, Mahon. Il me semble que c'est bien. Voilà, Birkat Ariach, c'est Dalet. Dalet, et c'est. Attends, c'est Birkat Ariach, parce que je l'avais cherché. Et c'est même bête, peut-être. Siman, même bête, comme ça. Je dis comme ça de ce qui me revient dans la tête. C'est pas Birkat Aperot ? Birkat Aperot ou Birkat Aperot ? Je me rappelle que c'était en bas ici. Je me rappelle, non, ça m'avait marqué. Ça photographie. Ah, ma mâche. C'est en bas, ou là. Il me semble que c'est Dalet et c'est un truc de 40. C'est assez loin. Je me rappelle que c'est à la fin parce qu'après il y avait une autre à la rate tout de suite. Ça, je me rappelle de ça. Je l'ai pas ouvert. Hein. Voilà, même Aleph, et là, il y a ici une Alakha. Et le même bête. Non, c'est pas ça. Voilà, même bête, ouais. Non, mais c'est, je comprends pas. Non. Vehikmo Uyored Bayam be Omek Metsulot Ayam Veole Shamem Veored Etomot. Mais c'est tout, il rentre pas dans ça. Quoi. Mais c'est quand même le. Attends, ça continue, je sais que c'est là, c'est certain. Parce que là il parle des Arbatrichin Leodot, les quatre qui doivent. Oui. Ah, celui qui traverse la mer. Rabbi Nathan, il a fait de ça. Il n'y a rien au monde qui peut l'arrêter sur ça. Il n'y a personne. Tout le monde a honte. Le monde en entier, même Moshe Rabbeinu. Je suis sûr qu'il doit avoir honte. Même David Ameler, lui-même qui a dévoilé ce passage, il a dit, mais jusqu'à où t'es parti avec Mitfilot? Jusqu'à où t'es parti? Jusqu'à où? Il parle de ça? Ouais, c'est pas de ça, mais je sais... Mais regarde, essaye de voir peut-être. Attends, si ça parle de ça, c'est bien ce qu'on dit, non? Oui, mais je sais pas si c'est ça, maman. Révèle Nachalato, je me rappelle que ça, c'était écrit. Et il dit, mais fourrage que comme quoi. Donc il tombe pas, ça veut dire. En vérité, non. C'est de haut qu'on nous fait. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit en vérité, c'est juste un jeu. C'est-à-dire, si tu désespères ou tu ne désespères pas. Mais en vérité, je vais aller encore plus loin que toi. Wow. Tu sais, c'est quoi? En vérité, si tu crois que tout c'est toi, alors tu dis, je désespère. Mais si tu crois que tout c'est Dieu, tu dis, je m'en fous si je suis en haut ou si en bas, tout c'est Dieu. Comme quand les Mitnagdim ils sont partis, j'ai le Noam et l'Imeler, ils m'ont dit, Noam et l'Imeler, qu'est-ce qu'on dit si dans le ciel en haut, t'arrives après 120 ans, on te dit, c'est terminé l'histoire, tu vas au Geinam. J'ai dit, mais si le Dieu il me dit, allez au Geinam, je vais en courant, c'est la volonté de Dieu. T'as compris, quand on pense que tout c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas en bas, à droite, à gauche, c'est la volonté de Dieu, toute ma vie c'est ce que ça que j'ai cherché. Mais le problème, c'est que quand on désespère, c'est parce qu'on dit c'est moi. C'est moi qui monte, c'est moi qui descend. Il n'y a pas toi, mais c'est qui toi? C'est qui toi? Il y a un seul qui a dit moi dans la Torah. Ani Adonai Elohechem. Ani, c'est tout, il n'y a pas d'autre. Qu'est-ce qui veut dire Ani? Qui? Nathan, il a dit, si je me dis Odgé, non, moi je veux. Je voulais l'écouter moi à Aran, et tous les saints qui vont descendre, et ça devient le Gan Eden. Il a dit Annie. Ouais, non, mais ça c'est. Ça, il n'y a pas de problème pour cette sadikim là. Il est là, le Gan Eden en fait. Bien sûr. Rappelez-nous, il a dit Gan Eden, Gehinom, je ne sais pas de quoi on parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, ça veut dire, c'est les souffrances qu'il y a dans ce monde-ci, c'est le Gehinom. Mais le Gan Eden et le Gehinom, il y en a un qui s'assoit à côté d'autre, il dit Rappelez-nous. Et un est dans Gandang, en fait, tout est dedans. Bon, ça, il ne faut pas que les Français l'écoutent parce que eux, ils attendent. Ça veut dire que. Nous, on attend les limousines, les palais, l'or. On est déjà sauvés. On est déjà là. Exact. On a juste les yeux qui sont bien complètement fermés, liés. Voilà, on ne voit pas. Rabbi Israël Cardoner, il était déjà parti. Ouais. C'était un homme du Mashiach. Il était à l'époque du Mashiach, il a dit. Ouais. Ouais. C'est même pas le Gan Eden, c'est le Olam Haba. Rabbi Israël a dit, j'ai vu comment les gens ils vont être après le Mashiach. Rabbi Israël Cardoner. J'ai évoqué cette halakha là parce qu'en fait, ça fait le shalom en fait.
entre la partie du haut et la partie du bas. Bien sûr, bien sûr. C'est ça le shalom. C'est ça le nien, en fait. Ouais. C'est que quand tu es en bas, c'est... mais tu sais, en vérité, ce shalom, il se fait. C'est quoi le moussac du shalom, quand tu regardes? C'est quand ils sont prêts à recevoir un l'autre. Toujours le secret. Ça veut dire quoi? C'est quoi le secret que toujours ils n'arrêtent pas de dire les rabbanim sur le bezougiout, sur un homme et une femme? C'est quand un, il est prêt à se rabaisser devant l'autre et qui se reçoit. Le shalom, c'est quand un, il est prêt à recevoir l'autre. Quand un homme, il est en bas, dans le plus profond, son problème à lui, c'est qu'il ne veut pas accepter qu'il est là-bas. C'est pourri ici, je ne veux pas être là-bas, moi j'appartiens en haut. Mais quand tu acceptes que tu es en bas, et que tu acceptes que c'est Dieu qui te l'a emmené, ça, c'est pas logique, mais c'est ça. C'est d'accepter. Ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, tu ne vas pas crier à Hachem. Tu ne vas pas lui dire, Hachem, sauve-moi de là où je suis. Un homme doit toujours prier Hachem et de lui dire, sauve-moi. Ou alors encore mieux, fais-moi conduire comme tu veux que je me conduise dans tous les endroits où tu vas me mettre. Comme Rabbi Israël Cardona, il lui manquait un manteau pendant l'hiver. Alors il ne lui a pas dit, Hachem, envoie-moi un manteau. Il lui a dit, Hachem, j'ai besoin de deux choses. Une chose. Mais t'as deux. Je te donne deux conditions. Ou alors tu me donnes un manteau. Ou alors tu me donnes le date que j'ai pas besoin de manteau. Mais de me laisser sans les deux, je peux pas. Donc ça veut dire, c'est ça en fait. Ça veut dire, si tu m'as mis en bas, Dieu, fais-moi conduire, que je me conduise comme il faut que je me conduise. Comme un vrai juif, un vrai Breslaver. Fais-moi voir que c'est là que je dois. Accepter d'être là. Ouais. Et que je puisse pas. Tu puisses. Ouais, exact. Pas que je fasse plus de. Parce que si, je sais même pas si c'est en bas ou en haut. Après, que des fois on ressent des choses. En bas, en haut. Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi? Des fois, tu te réveilles, t'as envie, et des fois t'as pas envie, mais si t'as vu qui se t'a fait, toi, pour avoir envie, qui se t'a fait pour pas avoir envie? Oui, bien sûr, t'as rien fait. Il te prend, il te dit là, aujourd'hui tu es là, bah non, bah demain tu vas être là. C'est comme à l'école, ma fille elle me dit, bah ma morale m'a mis là aujourd'hui, bah hier elle m'a mis au fond. Je lui dis, pourquoi? C'est comme ça, c'est elle qui décide. C'est pareil, un coup il te prend, il te met là, un coup il te prend, il te met là. Juste, fais-moi être avec toi là où je suis, c'est tout. C'est tout, c'est pas. Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on a envie de gdolot, et on a envie d'avoir des assagotes, et de se dire, ah, moi j'ai perçu ça, j'ai compris comme ça. Ou des fois, t'étudies, tu vois des super tribouchines, tu vois des trucs. Des fois, tu ouvres une tonne de. Tu dis, tout là, rien, des sectes, des yavets, je t'en peux plus. Bien sûr qu'il faut prier, mais il faut lui demander de te faire comprendre que quand tu comprends rien, d'accepter que c'est là qu'il veut que tu sois. Tu comprends ce que je veux dire? Ne pas te battre contre ça et te dire, putain, mais pourquoi tu m'as mis là? Moi, je veux des trucs, moi, je veux des assagotes, je veux des perceptions, je veux voir, je veux ressentir. C'est très dur, hein. Ah bah, c'est ça le plus dur. C'est très, très dur. Mais non, mais je te parle, même spirituellement. D'accepter de vouloir être en bas. D'accepter de voir en bas, je suis aucun problème, j'accepte, c'est Dieu qui veut. Mais de fonctionner comme ça dans ma tête, c'est un bitoul total. C'est une annulation totale. Aussi, oublie que tu vas devenir tzadik. Oublie que tu... Tout. Le Gan Eden, voilà, et tout. T'es en dessous de le patron, il t'emmène là où t'as envie. S'il t'envoie... tu sais, c'est comme les policiers. Il y a un policier qui peut être derrière un bureau. Et il y a le policier qui fait le... il demande pas. C'est là où tu... Ça veut dire, c'est comme ça. C'est pas parce que tu t'es cassé 15 ans. 15 ans, tu t'es cassé pour essayer de briser le chemin à ta brise et d'avoir des trucs et tout ça. Tu t'es cassé, mais 15 ans de travail, hein. Après 15 ans de travail, Rabbeinu, il te fait descendre. C'est là-bas que tu veux que tu sois. Mais c'est ça, c'est pour ça. Il te fait descendre là-bas, exprès pour ça. Non, mais oui, ça, je suis prêt à apprendre. Mais depuis le départ, d'y penser à ça... C'est vraiment une force qui est exceptionnelle, c'est un pitoul mouklat. Ça, c'est ma mâche. C'est hyper dur, hein, je peux te dire, c'est hyper dur. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Ma mâche, il n'y a plus rien.
Il y a plus, c'est, rien ne dépend de toi. Toi, tu dois juste te conduire comme il faut. C'est ce qu'il dit. Il dit ça, Rami Matin. T'as assez chez Col Redsoni et là, Sot Redsoni. Il va d'annuler mon Ratson devant ton Ratson et que tout mon Ratson, c'est d'annuler mon Ratson devant ton Ratson. Déjà, j'annule. Mais c'est que, en plus, tout mon Ratson, ça soit que ton Ratson. Si je veux plus, moi, je veux absolument rien. Batel Ratsoni, mes pneus Ratsonra, mes chers Ratsoni, Ratsonra. Ah ouais, ça c'est la batte. Ah, j'espère qu'on va voir. Mais il va mourir, Sonny. Il faut faire beaucoup de trade shoot, c'est pas facile, mais il faut. Beaucoup de tirades. Ouais. C'est dur. Des trade shoots. Verzochimi, trade shoot. Mais c'est dur d'avoir des trachutes, tu en penses comme ça, justement. Non, mais c'est que de la trachute, Rudy. Au contraire, c'est comme ça. C'est ce que j'ai... Mais non, au contraire, c'est très dur d'avoir des trachutes, de penser comme ça. Non, non, de Bechira. C'est que de la trachute. C'est que t'es tout le temps nouveau. Partout où il te met Dieu, c'est un nouveau chemin. Partout où il te met Dieu, c'est un nouveau chemin. Ah, tu m'as mis là. C'est super. C'est un nian de Bechira, c'est une contradiction qu'on n'a pas le droit de contredire. Ça veut dire, faut pas se laisser aller. Mais d'un autre côté, c'est lui qui fait tout, c'est nous on fait rien. Et ouais, c'est une contradiction qu'on n'a pas le droit de voir. C'est en fait, faut vraiment avancer. C'est deux opposés que tu as relis en fait. Le shalom. C'est ça, en fait, c'est deux opposés que tu as. Le shalom, parce que les deux c'est. Comme Tahlit Hayidia, c'est le Neda. Deux opposés complètement, mais c'est ça le. D'un côté, tu dis. Je me laisse aller n'importe où. Je me laisse pas aller n'importe où. Oui, oui, mamie. Où tu m'as mis, c'est, la c'est ta volonté. C'est ta volonté. C'est, volonté. C'est vrai. Mais c'est... Non, en fait, tu laisses aller. C'est vrai. Pas shoot. Ouais, mais il pas shoot. Il y a toujours le petit autre côté qui va te dire, ouais, mais c'est à cause de toi. C'est toi qui t'es fait faire tomber. C'est à ta vote. C'est toi. Renforce-toi. Réveille-toi. Attends, alors là, moi qui me suis fait tomber. Mais Dieu, il aurait pas pu pas me la mettre cette épreuve. Il savait pas que j'allais pas là. Il savait pas que j'allais pas la passer. Il savait pas que j'allais m'éclater sur ça. Ouais, mais ça c'est l'idée. Il a pris là. Non, mais c'est pareil, c'est Dieu. Mais c'est Dieu, Nathan. Arrête. Ouais, non, exact. Tu m'as dit une fois, un jour, une très très belle parole. Tu m'as dit, une fois que c'est fait, c'est que c'est ce qu'il voulait. Ouais, c'est tout. Ouais, mais toi, tu prends ça dès le début. Ah, mais non, mais c'est vrai. Je t'ai dit aussi avant. Mais une fois que c'est fait, mais je voulais pas le faire, je suis tombé, tu le sais très bien. Ça oui, ça oui. Tu voulais pas, qui c'est qui veut. Après les faits, ouais. Une fois que c'est fait, maintenant que t'es fait, tu savais, HM, on va pas se mentir maintenant. D'accord, maintenant que c'est fait. D'accord. C'est que tu voulais, je suis là-bas maintenant. Maintenant, je suis là-bas. C'est parce qu'en tout cas, celui qui vit comme ça, ah, il est aux anges. Hein. Il est aux anges. Il est toujours Bessimra. Bamash, il est toujours Bessimra. C'est être un guerrier de Dieu. Il se croit vraiment guerrier de Dieu tout le temps. C'est un guerrier, le mec. Moi, je suis un guerrier de moi. Je me tape toute la journée dessus. Et ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Je me rappelle un jour, quand j'étais jeune, je suis parti, je me suis trempé au mikvé. Je pouvais pas me tremper avant la prière, alors je me suis parti tremper après la prière. Et un peu après que j'avais déjà mangé, c'était à la yeshiva. Il était 10h du matin, je suis parti me tremper au milieu. Et à 10h du matin, je vois un Breslev. Et d'après ses péotes et sa barbe, j'ai vu qu'il y a 2 minutes qu'il s'est levé. C'est-à-dire, il n'est pas après la prière, c'est maintenant qu'il s'est levé. Et il chantait dans le mikvé, il chantait. Il se brossait, il se lavait, il chantait. Mais d'où il puise cette simra? Mais moi, si ça m'a rien arrivé. Mais quel atzvout? Je sais plus ce qui se passe, je veux même pas y penser. À 10h, à 10h, il va au mikvé, c'est-à-dire qu'il va pas d'abord prier parce qu'il va savoir le temps. Et il chante, il se brosse, il se fait 2-3 fois dans la broche. Non, c'était à Jérusalem, c'était quand j'étais dans les Chinois. Et ça, j'ai apprécié. Parce que, non, mais mec, parce que je me suis dit, ça, c'est un vrai Breslever. Ça s'est passé, on s'en fout. Maintenant, on y fait avec. Et Bessimra, pourquoi il faut se casser la tête? C'est fait, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Le mec, il chantait, il était dans son IV. Moi qui avait une tempête dehors et je trouvais les cheveux comme ça. Mais il faut aussi le voir comme ça, tu le vois, c'est aussi une qualité. Parce qu'il y aura quelqu'un d'autre,
explosent les gens. C'est vrai. Il y a des gens qui se peuvent être mikabel, ils sont des primates rhinours. Il y a des gens là-bas qui ne sont pas des primates rhinours, qui veulent dire, qui veulent donner leurs idées, etc. Ils sont aussi, c'est bien, ils participent au moins. Je ne peux pas, c'est pas possible. Non, parce qu'hier on a fait une étude et ça a un peu explosé. Il y avait des gens qui n'ont pas été mikabel. Beaucoup prier parce que bon, des fois c'est nous qu'on n'est pas mécabel, des fois c'est eux. Ça, la beauté de la prière, la prière, c'est que tu comprends que toi tu peux pas, tu as besoin de Dieu. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai, parce qu'il y a tout qui peut arriver à tout le monde. Tout seul, on n'existe pas tout seul. C'est vrai, Rudy, il est bouleversé. Ou à Romain ou à Givas. Personne au travail, mais je fais une petite patte noire. Bon, à chaque fois qu'il me parlait des rabbinis, je dis, il est venu fou, il me disait, mais t'es un coffert. Parce qu'il me dit, ah ouais, j'ai été voir celui-là, je dis, moi je peux. Je sais pas, c'est quoi. Il me parle maintenant, tu sais, des mecs hyper connus. Je connais pas du tout. Ce mec-là, il dit, ah, tu peux pas parler comme ça. Alors ça lui a fait du travail, tu vois. Et après, je commençais à lui parler un peu de Rabbi Israël, je commençais à lui dire les nianes de Kavod, et regarde et tout ça. Et il n'acceptait pas du tout. Mais ils connaissent pas ce moussag. Mais ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Alors après, je lui parlais, il me parlait des rabbins. Je lui dis, moi, c'est tous des chakranis, moi, je suis pas comme ça. Et ça a commencé à rentrer. Et un jour, il a eu un souci, le pauvre. Un gros souci. Il est parti voir des rabbins. Et il s'est pris des baffes. Ce qu'il attendait, ce qu'il pensait qu'ils allaient être rabbinis, qu'ils allaient être mes carré voto, etc. Un ravi lui a dit, il avait un gros problème, il lui a dit, je suis désolé pour toi, mais t'es en situation d'échec aujourd'hui. Au lieu de donner de la hitrasco, de lui dire tu vas te relever, et tout ça, t'es foutu. Alors il est venu me voir, il m'a dit, t'as vu ce qu'il m'a dit ? Alors je lui ai dit, attends, on va prendre textuellement ce qu'il t'a dit. En fait, aujourd'hui, ce qu'il t'a dit, lui, c'est que j'ai ouvert la fenêtre, je lui ai dit, saute. Bah ouais. On est au 7e étage. Il m'a dit quoi ? J'ai dit, bah, c'est ce qu'il t'a dit. T'es perdu, t'es foutu, frère. Bah, je lui dis, tu vois ce qu'il dit maintenant, Rabbi Israël ? Tu vois ce qu'il dit, Rabbi ? Il n'y a pas de désespoir. On peut tout réparer. Moi, je vais te laver de toutes tes fautes, etc. Et là, ça lui a fait un déclic. Il a commencé à se rapprocher. Et après, il a eu schéma Israël. Alors, il est venu d'un. C'est ça qu'il a vécu, Rabbi Israël. Alors là, quand il a eu schéma. Hachem, il a aimé, en tout cas. Alors, il a pris pitié. Il a dit, encore plus fort, il a dit, ouais, franchement, il m'a dit, il n'arrive plus à dire autre chose. Birklan. Ah oui, dès que t'as goûté le vin hongrois, c'est terminé. Ce qui est impressionnant, c'est quand les gens, ils ont confiance de leur rabbinim, ils ont confiance, jusqu'à ce qu'ils se prennent des claques. Bah ça, malheureusement. Même avec ces claques-là, ils continuent, parce qu'ils n'ont pas tellement, et même qu'ils connaissent un peu rabbinim. C'est pas les choses de Kabbalah. Alors, en fait, on passe tous par là, moi je passais par là, je sais pas, tout le monde. Un arabe, et il pose une question, il a dit après, ça demande beaucoup d'efforts. Shout Kabbalah. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux mourir dans 5 minutes. Ouais, tu reviens, je te vois. Ouais, comme ça, il a dit. Le mec, il en peut plus, il a la gorge comme ça, il a des gros problèmes. Il a fait un Shabbat d'Afka, un Shabbat organisé, il est parti, il a payé pour voir le rab, pour lui parler, il raconte ce problème et tout. Il arrive, le rab, il a fait son cours et tout, il attend le mec. Il sait comment ils sont. Il va voir le rab quand il a 5 minutes de panouille parce que tout le monde entoure. Rab, je peux vous poser une question ? Le Arshav Rag Beshon Kabbal. Ah, mais il est revenu au travail, triste. Et je le vois, et je lui dis, Mikesta, il me dit, il faut que je te raconte, il me dit maintenant, parce que moi, je l'ai saoulé, surtout, il me dit, il faut que je te raconte ce qui s'est passé. Sans compte après. Mais nous, on doit se rendre compte, le mazal, qu'on a pu comprendre ça, parce que nous, on est des Français hyper tamim. Nous, on peut tomber chez un rap comme ça, nous. Bien sûr. On pouvait tomber, regarde la majorité comment. Et on a eu le mazal, je sais pas, le cadeau gratuit de comprendre que la vérité de Dieu. C'est bon, matana, on a quoi se réjouir toute notre vie. Rien de ça. Oui, c'est vrai. Non. Là, tu peux être dans n'importe quel niveau.
en bas, en haut, à droite, à gauche, à quoi te réjouir toute ta vie de ça. Hein. Dis ça. Tant que c'est Rabbeinu qui tient les cordes. Dans un limitrophat, bien sûr, bien sûr. Baruch HaShem, que je ne fais pas partie de ceux qui brûlent les livres de Rabbeinu. Comme une naguette, que tu as une part dans, que tu as une part dans tzadik, que tu... Voilà mes amis, j'espère que ces paroles-là, ça nous fait rappeler un peu le Olam Haba. Et vraiment, de revivre. On a vécu quelques... Un jour, j'ai entendu un beau chidouche. Que les gens d'avant, ils avaient dit ce chidouche-là, les Breslev d'avant. Rabbeinu, il parle dans la Torah Vav du Machal, que quand un homme, il veut faire tchouva, alors la Gemara, elle rapporte à Farsemon. Quelqu'un qui rentre dans une chanouk doit faire ses bonnes, mourim lo amten. Et quelqu'un qui va acheter du charat, mourim lo l'ertikar. Et du charat, c'est du charbon. Comme le charbon, ça pue, alors le mec il dit moi je veux pas puer, si tu veux, viens prendre. Le farseman, comme ça sent bon, c'est moi je veux en profiter, je veux te l'amener. Donc mourim lo amten. Ils ont dit c'est quoi à farseman? Sefer Ouman. Voilà, c'est Sefer Ouman. Ils ont dit c'est quoi Sefer Ouman? Ils ont dit tout le temps que les gens ils ont participé dans Ouman et dans le Sefer de Rabbeinu. Ça sera ça notre Gan Eden. Tous ces temps, c'était ces petits temps-là. Ce soir, on a étudié une heure et demie. Alors à la fin du compte, tous les soirs, tous les jeudis soirs, tous ces une heure et demie, ça va être ça notre Gan Eden. Tous les une heure et demie. Parce que, il n'y a que ça. C'est les petits temps qu'on a volés au on vient déchirer à la fin de la semaine, à 10h30 du soir, exploser, on n'en peut plus. Cabanou. Ouais, j'ai un ami à Natania. On dit le cours à 9h, mais en fait c'est à 10h. Et lui, le pauvre, à 9h, il est déjà couché dans son lit. Mais il se dit je suis obligé. Alors il vient à 9h, et Kavua, il s'endort. Jusqu'à minuit. Il dort. Et à chaque fois, c'est une guerre pour lui de venir, parce qu'il se dit, mais je dors là-bas, je vais dormir ici dans mon lit. Et en plus, là-bas, c'est de la folie. Là-bas. Et il va là-bas, et Kavua, il dort. Je peux te dire, cet homme-là, moi, je l'admire. Maman, je l'admire, cet homme. Maman, je l'admire.